Mesdames et messieurs, bienvenue dans le chapitre 5 de cette formation consacrée à la suite Nik Collection. Dans ce chapitre, nous allons traiter du plugin SilverFX Pro 2. Alors, c'est un plugin qui va assurer la conversion et le traitement d'une image en noir et blanc. Alors, voici une photo que je souhaiterais placer en noir et blanc. Je pense qu'en noir et blanc, cette photo aurait un bon rendu avec le ciel, l'eau et les bâtiments modernes. C'est une photo qui a été prise à Confluence, à Lyon. Donc, comment je vais faire Je vais aller dans Silver FX Pro 2. Comme tous les plugins, clique droit sur la photo, modifier dans Silver FX Pro 2. Alors. Je fixe l'espace colorimétrique ProPhoto RVB, modifié. Voilà, je suis dans SilverFX Pro 2. Alors comment ça se présente Tout d'abord, la photo que je lui ai présentée, automatiquement, il lui applique une conversion noir et blanc neutre. Alors neutre, c'est ce filtre-là. Sur la gauche de l'interface, vous avez tout un ensemble de filtres. Ce sont des presets, des réglages présélectionnés. Il y en a une quarantaine. Ils sont regroupés par catégories. Alors là, j'ai la catégorie classique qui est activée. Je peux tous les activer. Une catégorie moderne avec 11 filtres. Une catégorie rétro. Les derniers filtres utilisés, et puis des favoris, là j'en ai pas. Alors pour déclarer un filtre comme étant le favori, on va prendre classique neutre par exemple. Vous voyez une petite étoile à côté, je clique dessus et mon filtre devient l'un des filtres favoris. Voilà, vous voyez, il apparaît dans les favoris. Vous pourrez aussi importer des filtres. à partir du site Nick Collection ou bien d'autres sites. Ce sont des filtres qui doivent être compatibles, bien entendu, avec SilverFX Pro 2. Vous pouvez en personnaliser quelques-uns, ça on reviendra dessus. Donc avoir tout un ensemble de filtres personnalisés, là j'en ai pas, on le fera tout à l'heure, ou dans une autre vidéo plutôt. Et puis là, vous avez une fenêtre d'historique. On reviendra dessus aussi. C'est très intéressant. Voilà. À droite de l'interface, comme d'habitude dans tous les plugins, nous avons les réglages spécifiques à notre plugin SilverFX Pro 2. On reviendra largement sur tous ces réglages. Si un filtre vous plaît, vous pouvez le sélectionner. Et même le personnaliser à travers ses réglages. Vous voyez qu'il y en a des très laides et très beaux, euh, à vous de voir si ça peut faire votre affaire. Personnellement, moi je ne trouve jamais ma vie. Quand on me propose beaucoup de choses, je ne sais plus quoi choisir. Je préfère partir d'un filtre neutre, c'est-à-dire d'une application noir et blanc banale, et puis appliquer mes propres réglages pour avoir le résultat que je souhaite. Mais chacun fait comme il veut, bien entendu. Ce, ce plugin est suffisamment souple pour pouvoir produire une image noire et blanche de qualité. Alors, dans la partie centrale, nous retrouvons les réglages traditionnels qu'on retrouve dans tous les plugins, les différents modes d'aperçu, avant et après. Par contre, il n'y a pas de bouton de case à cocher, vous savez, aperçu. Là, nous avons un bouton, un bouton Comparer. Alors, je vais choisir peut-être un autre filtre. Si j'appuie sur Comparer et que je maintiens le bouton de la souris enfoncé, je vois l'image avant. Si je lâche, je vois l'image après. Voilà. On a un bouton Zoom qui est un petit peu spécifique. Là, il est adapté à l'image, enfin à la fenêtre plutôt. Si je clique sur Zoom à 100%, je vois mon image à 100% et il apparaît une fenêtre navigateur ici, automatiquement, dès qu'on est à 100% ou à plus de 100%, avec une, un petit carré, vous voyez, que l'on peut déplacer à l'intérieur de la fenêtre de navigation pour voir la partie qui nous intéresse. Vous pouvez choisir d'autres valeurs que 100%. Vous avez une liste déroulante ici, 200%, 400%, etc. Des, des valeurs très petites, 50%, vous voyez. Et si je dev, reviens en dessous d'une valeur qui occupe la taille de ma fenêtre... 36 à 25. Vous voyez que la fenêtre de navigation disparaît. Pourquoi Parce que je vois entièrement ma photo. Je n'ai pas besoin de fenêtre de navigation. Voilà donc pour la présentation de l'interface. Alors nous allons effectuer sur cette image. Nous allons effectuer une modification. Mais avec tous les réglages qui se trouvent à droite. Pour les décrire les uns après les autres. Et nous allons partir d'un noir et blanc neutre. Alors à partir de cette base de noir et blanc neutre, nous allons améliorer notre image en noir et blanc qui là est assez terne. On va lui donner du caractère, on va lui donner de la densité, on va lui donner de l'intérêt. Pour ce faire, pour être plus confortable, je vais fermer la fenêtre de gauche qui ne me sert plus à rien à ce stade du traitement. Et je vais m'occuper dans un premier temps des réglages globaux de mon image. Alors si j'ouvre si l'onglet, on voit que j'ai un curseur de luminosité, un curseur de contraste et un curseur de structure. Ça, ça veut dire que je peux agir sur ces trois valeurs traditionnelles. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais moi je trouve la même chose dans Lightroom avec en plus des réglages supplémentaires. Sauf que si j'ouvre le curseur luminosité, voilà tous les réglages qui sont associés à ma luminosité et qui vont me permettre de faire une luminosité très fine de mon image, idem pour le contraste et idem pour la structure. Alors la structure, je vous le rappelle, c'est le micro contraste des détails très intéressant. Toute la puissance de ce plugin est là. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que ce plugin est la meilleure façon de faire du noir et blanc dans tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la retouche photo. On peut faire vraiment des réglages très très fins. Alors on va voir comment ça fonctionne tout ça. Alors dans un premier temps, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'histogramme. Donc, on voit que notre histogramme est assez bien réparti entre les noirs et les blancs. Bon, il manque un petit peu dans les blancs, mais voilà, donc les pixels sont assez bien répartis. Hein. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est la plage des tonalités de mon image en noir et blanc. Hein. Si je clique sur 0, je vois, alors c'est ici, hein, tout ce qui est concerné par les noirs, donc il y en a très peu. Je déclic. Si je vais sur les blancs, en cliquant ici, il n'y a quasiment rien, hein, ce qui est normal parce que j'ai aucun pixel. Là. Vous voyez ici, sur les blancs, il n'y a pas grand-chose. Par contre, mon image, vous voyez en zone assurée, rouge ici. C'est surtout les tons moyens qui vont être efficaces dans le réglage de mon image. C'est surtout les tons moyens qui sont concernés. Alors, on va s'occuper de la luminosité dans un premier temps. Très intéressant hein, cette possibilité d'afficher les plages de tonalité pour voir exactement sur quelle zone on va agir. La luminosité, le curseur global agit globalement sur l'image. J'enlève de la lumière ou j'en ajoute. Je vais agir plus finement à travers les différents curseurs. Alors, la luminosité des tons clairs, on a vu qu'il n'y en avait pas énormément. Si je la pousse un peu, vous voyez que ça fait, même à fond, ça fait quasiment rien. Donc, il ne faut pas trop que je compte sur ce réglage-là. Les ombres. Si je pousse un peu, si je les éclaircis, ça fait une image très fade. Si je les renforce, je fais un fort vignotage. Ce n'est pas très intéressant. Donc on va voir que par contre, si je touche les tons moyens, vous voyez, alors cette fois, c'est très sensible. Alors ce que je vais faire, là, je vais peut-être en enlever un peu. Je peut-être les assombrir, assombrir un petit peu les, les tons moyens pour qu'il y ait plus de présence, mais il faut y aller très doucement hein, sur ces curseurs, c'est très sensible. Voilà. Et enfin, ici, j'ai un curseur très intéressant qu'on appelle la luminosité dynamique. Alors c'est quoi C'est une luminosité intelligente, c'est-à-dire que ça va prendre en compte les différentes tonalités de mon image pour ajuster la luminosité. Je vous montre. Vous voyez que c'est très subtil, ça y va très très doucement. Alors là on va pas trop trop en j'en rajouter un peu. Je zéro, j'en rajoute un peu, voilà, pour rendre un peu plus clair. Je ne vais pas en faire plus. Et là on a bien compris le réglage de cette image va surtout se faire à travers le contraste. Alors le contraste, on a un contraste global de l'image qui est complètement violent. Je ne vais pas y toucher. Je vais simplement euh, agir sur le, les réglages un peu plus fins du contraste. J'en ai trois. Amplifier les blancs, ça va jouer sur la brillance euh, des blancs. Ça va les rendre plus brillants. Je vous montre, j'y vais à fond. Voyez, on dirait que mon image est plus brillante. Je vais peut-être en, en faire un peu, ça peut être intéressant. Voilà, pas plus. Pour donner un petit peu de brillance à mon image, qui a été prise en plein soleil. Amplifier les noirs, donc ça va être dans les tons foncés. J'y vais doucement dans le contraste des noirs. Hein. Pourquoi pas un petit peu Ça dramatise un peu le ciel. Ça ne touche pas les bâtiments, mais ça touche le ciel. Pourquoi pas Et puis enfin, j'ai un contraste qu'on appelle contraste doux, qui est en fait un contraste intelligent, qui va prendre en compte la plage tonale de mon image pour effectuer le contraste. Vous voyez, c'est pas mal, hein Là, ça fait trop. Et là, euh, dans l'autre sens, bien évidemment, j'enlève du contraste. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Alors ça, ça va jouer sur les bâtiments, plutôt, et sur l'eau. Voilà. Alors si on regarde avant et après, déjà c'est mieux. L'image a un peu plus de présence, un peu plus de caractère. Alors ce serait encore mieux si je pouvais lui donner un peu plus de détails, notamment, notamment dans le ciel et peut-être dans l'eau, pour euh, avoir une image un peu plus présente. Donc on va jouer sur la structure. J'ai un curseur global qui va faire monter la structure. Alors vous voyez c'est brutal aussi. Là on dirait presque une image HDR. Mal faite. Je ne vais pas toucher le réglage global, encore une fois. Je vais m'occuper de la structure dans les tons clairs. Là, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça ne fait rien du tout. Dans les tons moyens, là, je vais certainement beaucoup plus agir. Vous voyez, dans le ciel, Alors, je recommence pour qu'on voit bien. Et le ciel prend tout de suite un peu plus de, de présence. Et dans les tons foncés, alors il faudrait peut-être que je zoome à ce moment-là. Voilà, sur cette zone-là qui contient des tons foncés. C'est pas très sensible, hein, un tout petit peu, oui. Par contre, je fais monter la granulation dans mon ciel hein, quand je fais ce genre de réglage. Bon, on verra après comment on peut régler ce problème. Mais c'est sûr que quand on fait monter du détail, on fait monter de la granulation. Et puis enfin, j'ai un réglage de structure fine. Et vous avez deviné, c'est une structure intelligente qui va prendre en compte la plage tonale de mon image pour faire monter les détails. Donc là, je ne vais peut-être pas faire grand-chose de plus dans ce genre d'image. Je vais peut-être faire monter le grain encore un petit peu plus. Là, c'est pas très utile. Hein. Voilà. Alors avant, ah oui, c'est complètement différent. Et après, j'ai une image beaucoup plus présente, beaucoup plus euh, contrastée, avec euh, beaucoup plus de densité. Une image déjà plus intéressante. Alors, on va voir dans les. Euh, J'allais oublier euh, cette zone qu'on va retrouver. Euh, la protection de la tonalité qu'on va retrouver dans d'autres plugins. Alors ça va permettre d'indiquer un seuil à partir duquel l'image n'est pas affectée par les réglages globaux. Donc ça ça peut être intéressant pour certaines images. Donc vous fixez un seuil dans les tons foncés et un seuil dans les tons clairs à partir du, duquel votre image ne sera pas affecté, donc ça protège certaines zones de votre image des réglages que vous allez effectuer. Vous pouvez avoir une image avec des choses très très intéressantes dans certaines tonalités et vous ne voulez pas y toucher. Vous voyez que c'est très subtil, c'est puissant. Toute la puissance de ces plugins, elle est bien là dans ces réglages globaux qui sont assez extraordinaires. Dans la vidéo suivante, nous allons poursuivre l'amélioration de notre image. On va voir qu'il y a encore pas mal de possibilités, même beaucoup. Donc je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante.